heureuse de vous présenter Anne-Laure. Elle passera l'année avec nous. J'espère que vous ferez vite connaissance et que vous vous occuperez bien d'elle. Tu veux parler? Oui, je m'appelle Anne-Laure et je vous salue. Moi, elle m'énerve déjà. Allez, taisez-vous maintenant, ça suffit, calmez-vous. Allez, allez, allez. J'en pense, j'ai changé d'avis. Eh bien, où est-ce que tu veux t'asseoir? Madame, justement, il y a une place à côté de moi. Oui? Julie a de la chance, elle ne finira pas l'année toute seule. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? C'est elle qui a de la chance. Alors, tu t'appelles Julie? Non, Juliette. Mais je préfère Julie. Bah, pourquoi? Ne discute pas. Tu diras Julie. Julie et pas Juliette. Je trouve que ça fait mieux que Juliette. C'est comme Anne-Laure, ça ne me plaît pas. Mais enfin, tu fais comme tu veux. Moi, si j'étais toi, je me ferais appeler Laura. Oh, mais tu as sûrement raison. Et puis finalement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Dis-moi, c'est à cause de mon prénom que les garçons de la classe se sont mis à rire comme des tordus? Non, mais tu sais, dans cette classe, les garçons rient pour n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est bête, un garçon? Mais c'est bête! T'es pas d'accord avec moi? Ah oui, alors là, t'as bien raison. Julie et sa voisine, est-ce que vous allez vous taire? Oui! Je t'ai pas dit, c'est vrai que la plupart des garçons sont pas terribles, mais dans cette classe, il y en a quelques-uns qui sont très bien. Ah oui, c'est vrai? Alors où ils sont? Je suis désolée, mais je vois rien d'intéressant. C'est parce qu'ils sont pas arrivés, mais attends un peu et tu vas avoir des surprises. Oh, tu sais, il me tarde de les voir, ça va me changer un peu. Je sais même plus d'où vient ce nom. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le porte. Tout le monde pense que nous sommes une particularité de l'établissement. Nous sommes des joyeux loufoques. On peut aller n'importe où. Et tout le monde nous aime. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il paraît qu'on a de bonnes têtes. Et aussi beaucoup d'humour. Et en tous les cas, nous sommes toujours inséparables. Si votre enfant pleure tout le temps, il ne vous reste qu'à lui montrer... Les joyeux loufoques. Ah, que c'est bon! Ah oui, c'est bon. C'est si bon que j'aimerais bien qu'on recommence. Ça suffit, ce bruit dehors. On ne s'entend plus. Allez, venez, on s'en va. Bonjour tout le monde. On vous a manqué? Est-ce que vous avez vu l'heure? Ça suffit. Vous avez vu l'heure? Dans 10 minutes, le cours est terminé. Et je commence à en avoir assez de m'énerver après vous tous les jours. Vous allez rester debout jusqu'à la fin. Les garçons bien, les voilà. Ah oui? Lui, c'est le chef des joyeux loufoques. Tu verras, c'est un numéro, c'est Ray. Et le grand, tout à fait à droite, c'est Jim. Celui avec les grandes dents, c'est Jean. Mais tout le monde l'appelle Jeannot. Celui avec les gros yeux, c'est le grand complice de Ray. C'est Ted. Et le dernier, celui qui a les cheveux longs, c'est Dan. Ton avis? Ils ont l'air pas mal du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez comme ça? Oh mais mademoiselle, c'est pas possible! Comment voulez-vous qu'on travaille avec ces énergies humaines? Et regardez la tête qu'ils font! S'il vous plaît, arrêtez de leur faire des grimaces! Mais j'y peux rien, mademoiselle! Ce sont mes parents qui m'ont fait cette tête! C'est vrai, le pauvre. Bon, ça suffit, c'est pas bien de se moquer des autres. Où est-ce que je pourrais savoir ce qui vous fait rire?
Non, parce que je ne le sais pas moi-même. Vous comprenez bien, mademoiselle, que si on ne rit pas aussi, nous risquons de perdre la face. Si quelqu'un se moque de nous, nous nous moquons aussi de nous-mêmes. Vous comprenez, c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour ne pas avoir l'air ridicule devant nos camarades. Et notez bien qu'à partir d'aujourd'hui, ça se passera comme ça chaque fois que quelqu'un se moquera de nous. Oh, bravo, Ray. Oh, ça c'est bien parlé. Oh, rien ne m'aurait fait plus plaisir. Je me demande ce qui vous rend si sûr de vous. C'est parce que je suis le meilleur de la bande. Comme vous pouvez le voir vous-même, on n'est pas des canons. Avouez que c'est pas facile de le reconnaître. Ah, ça non. On est laid. Et pour couronner le tout, ce qui est tout à notre honneur, Nous avons une qualité qui nous rend très fiers. Et vous savez pas ce que c'est? Moi non plus. Mais ce qui nous différencie, c'est notre différence. C'est un peu idiot. Mais juste c'est l'astuce. En fait, c'est très simple. Et ça, tu l'as dit. Nous sommes uniques. Nous sommes des êtres tout à fait à part. Eh oui. Et pour le plaisir de nos amis, on pratique l'humour. Et c'est pour ça qu'on a décidé de nous appeler la bande des joyeux loufoques. Ils pouvaient pas trouver mieux. Notre grand secret, c'est l'humour. Ils ont compris. Je crois que ça devrait y aller. Bon, c'est très bien. Maintenant, je vous demanderai d'aller vous asseoir. Ils sont formidables et franchement, j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils ont le même âge que tous les autres. Je te l'avais dit. Ce sont pas des garçons comme les autres. Et puis si tout le monde ici les appelle les joyeux loufoques, c'est pas seulement parce qu'ils ont de drôles de têtes, mais c'est aussi parce qu'ils ont un caractère, une mentalité et une façon de se comporter qui sort des normes habituelles. Ah oui. Maintenant, je vais vérifier si vous avez bien suivi notre histoire. J'aimerais que l'un d'entre vous me donne la raison pour laquelle notre héros est rentré chez lui. Quelqu'un connaît la réponse? Moi, mademoiselle, moi, oui, je sais. Peter, à toi. Eh bien, c'est parce qu'ils avaient rempli sa mission. Bah, c'est pas ça. Oui, c'est un peu ça. Mais il y a une raison encore plus précise qui explique pourquoi il est rentré. Je sais pourquoi. Oui, c'est parce que sa famille l'attendait. Oui, bravo. Oh non, c'est pas vrai. Moi aussi, je le savais. Et qu'est-ce que tu savais? Eh ben, la réponse, pardi. Je vois qu'aujourd'hui, tout le monde a l'air de s'intéresser à notre leçon. Alors, pour la peine, je vais vous poser une autre question. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'école? Moi? Pourquoi est-ce qu'elle pose des questions comme ça? Moi, je sais. Mademoiselle, je connais la réponse. Moi. Quelle insistance. Je me demande ce qui lui prend. Et moi, mademoiselle, je le sais. Et je t'écouterai. Oh non, alors elle m'a remarqué. Alors, Ray, j'attends ta réponse. Tu vas parler maintenant? À une seule condition, c'est que vous répétiez votre question. T'as vu ça, comment il a retourné la situation? Cet élève est en train de se moquer de moi. Ça, je ne le supporterai pas longtemps. Bon! Puisque tu sembles avoir déjà oublié ma petite question, je vais la répéter. Qu'est-ce que l'école? Vous avez bien dit l'école? Qu'est-ce que c'est une école? À mon humble avis, c'est un endroit où on se repose en attendant de trouver du travail. Et c'est pas tout, c'est aussi un endroit où on peut venir se nourrir en grande quantité. Et après avoir bien mangé, c'est le seul endroit où on peut digérer en toute tranquillité. Moi, viens ici. Je ne supporte pas les gens qui se moquent de moi. Tu entends, Ray? Mais j'ai rien fait. Viens ici, toi. Reviens. Oh, mais l'épaule. Si tu as envie de te reposer, tu restes chez toi. Mais si tu viens à l'école, c'est pour travailler. Travailler? Si c'est pour ça qu'on vient à l'école, ça va pas être très drôle. Si vous le voulez bien, on va continuer. J'implore votre pardon, mademoiselle. Je viendrai pas demain. Tu
Tu sais, je les aime bien, les joyeux loufoques. Te fatigue pas à t'expliquer, je m'en suis bien aperçue. J'étais en train de me dire qu'avec un temps pareil, on pourrait aller aux toilettes. Hein? Tu veux aller aux toilettes quand il fait beau dehors? Mais non, pas forcément. Tu apprendras que le seul bon moment pour aller aux toilettes, c'est pendant les cours. Ah bon, ben je vais y aller maintenant et puis j'y retournerai pendant les cours. Dis, tu viens avec moi? Oui, oui. Tu me fais tellement rire que je suivrai partout. Espèce de voleur! Oh, c'est vrai. Reviens ici, voleur de beignets. Non, on va t'avoir. C'est toujours pareil avec lui. Reviens ici. Et vous voulez toujours courir après moi maintenant que c'est dans ma bouche, c'est trop tard. Arrête de revenir. Tu viens, on va voir. On va plus aux toilettes? Ben non. Bon, tant pis, on sera obligé d'y aller pendant les cours. Où est-ce que tu te caches? Oh, vous êtes pas malin, hein? Vous avez vu, c'est facile de se débarrasser d'eux. Oh, ça, il a raison. Si vous aviez vu sa tête, vous auriez fait comme moi. Je t'ai bien eu, hein? Et puis tu vas me le rendre, mes beignets. Moi, je trouve que d'habitude, il a plutôt une bonne tête, mais quand il remplit sa bouche de nourriture, il a plutôt l'air affreux. Lâche-le. Il faut quand même pas perdre de vue que Ray est notre chef. Il vaudrait mieux le punir pour ce qu'il vient de faire. Et ensuite, on oubliera tout. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux pas être puni. Je vous propose de lui faire faire le tour de la cour attaché là-dessus. Ah oui, ça, c'est une très bonne idée. Oh, moi, je trouve pas. Ça t'apprendra à nous manger tous nos beignets. Oh non, faites pas ça! Je suis votre chef, vous n'avez pas le droit! Non, non! Hé, les bosseurs, vous pourriez pas vous arrêter 5 minutes? Et dites-moi, ça vous dirait rien de vous retrouver à ma place? Hé, chef! On vient de perdre 5 secondes! Ah oui, c'est vrai! Et dépêchons-nous de les rattraper! Hé, vous, là-bas! Attendez! Oh non, non, je ne dois pas la regarder! Tout le monde se replonge dans ses bouquins! Tout le monde se replonge dans ses bouquins. Nous nous destinons à l'université de Tokyo. Nous ne perdons jamais du temps avec des choses futiles. On peut savoir ce que tu veux. Vous n'allez quand même pas le promener comme ça? On ne changera pas d'avis. Faites-moi plaisir, ne faites pas ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh bah oui, j'en étais sûre. Un héros de ma trempe ne pouvait pas finir comme ça. C'est trop cruel ce que vous faites. Mais j'aimerais bien venir vous donner un coup de main. Mais d'où est-ce que tu sors? Depuis ce matin, je suis dans la même classe que vous. Je m'appelle Laura et je suis enchantée. Moi aussi? Et puis tu sais, je te trouve pas mal du tout. C'est décidé. Ma prochaine conquête, ça sera cette petite, la rouquine. Accroche-toi bien, Ray, on y va. Et ne faites pas ça, vous entendez? Allez, allez, on y va. Et finalement, elle est pas si désagréable que ça, leur punition. Moi, ça me flatte beaucoup d'avoir un si bel attelage. C'est vraiment très drôle, votre petit jeu, mais... Vous pourriez quand même faire attention. Vous avez entendu, Ray a dit qu'il trouvait ça drôlement bien. Eh ben, ça me fait plaisir. Eh ben, tant mieux s'il aime ça. On peut encore continuer un petit peu. Oui. Notre grand secret à nous, c'est l'humour. Et ce que nous aimons, c'est l'originalité. Je suis bien avec eux. Et puis, ils sont loufoques et on s'ennuie jamais. Tu ne sais peut-être pas, mais si on est comme ça, c'est à cause de Ray. Oh, Jeannot a raison. Avant de le connaître, on était différents. On était tristes et on prenait jamais le temps de s'amuser. Oh. Ah, tu sais, Laura, on est vraiment très fiers de notre chef. Ah, oui, très fiers. Si j'ai bien compris, si vous lui faites tout ça, c'est parce que vous l'aimez bien. Stop. Et maintenant, tenez-vous prêts pour le final. Prions pour notre ami disparu. Vous savez, moi je l'aimais beaucoup.
Voilà, la pause est terminée. Ah bon, c'est bien amusé. Ah, c'est embêtant. Il sera encore en retard. Comment ça se fait qu'ils sont pas encore sortis? Ils sont sûrement quelque part en train de faire une démonstration de leurs nombreux talents, ou alors ils sont en train de nous préparer un spectacle pour le cours de demain. Coucou, vous m'attendiez? Oh, qui c'est? Il s'appelle Roméo, mais fais bien attention à lui, c'est le chef de la bande des bourreaux des cœurs. Il se vante de faire craquer toutes les filles. Bourreau des cœurs, oui. Oui, oui, oui. Et maintenant, les amis, c'est à vous. Et oui, comme vous pouvez le voir. Les gens nous trouvent très beaux. Oui, regardez-moi. Je suis pas mal. Et moi non plus. On n'est pas des têtes. Mais on a autre chose. Mais vous allez vous dire... Qu'est-ce qu'ils ont? Ça ne se voit pas. Et si, mais ce n'est pas la force. On n'est pas très musclé. Mais alors, mais qu'est-ce qu'ils ont? Vous ne le voyez pas? On a la grâce. La beauté. Un bel aspect. Et beaucoup de charme. Elles ne peuvent pas nous résister. Impossible. Si vous cherchez plus beau, vous ne trouverez pas. Ici, nous sommes... les bourreaux des cœurs. Vous êtes obligés de nous aimer. Tu vois, tu ne peux plus reculer maintenant. Tu es sous le charme. Non, je crois pas. Ah. Et tu vas me laisser tranquille, tu entends? J'aime bien les filles qui ont du caractère. Eh oui, moi aussi. C'est pour ça que je me suis juré qu'un jour, elle changerait la vie. C'est pas la peine d'insister parce que je suis sûre que je ne te suivrai jamais. Julie, tu viens? Excusez-moi, mademoiselle, mais je crois avoir mal entendu ce que vous m'avez dit. Oui, moi aussi. Et puis, il se pourrait bien que mademoiselle finisse par le regretter. Je ne reviens jamais sur ce que je dis. Mettez-vous ça dans la tête. Et dis-moi, tu ne veux quand même pas dire qu'on ne te plaît pas du tout et que notre beauté n'éveille vraiment aucun c'est sentiment? C'est pas possible. Il n'existe pas une seule jeune fille qui n'aimerait pas se trouver avec nous en ce moment. Vous voyez, ce que j'aime le moins chez vous, c'est votre autosuffisance. Ça me fait drôlement plaisir de voir que ma nouvelle copine ne se laisse pas impressionner par vos stupides mimiques. Si ça vous intéresse, je peux remplacer Laura. Pas question. C'est elle qu'on veut aujourd'hui. On ne te plaît pas, franchement, ça me surprend beaucoup, mais je crois que je comprendrais si tu nous présentais des garçons plus intéressants que nous. Ça, c'est le piège. J'ai trouvé! Les voilà, les garçons plus intéressants que vous! Salut Laura, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau moyen de transport? Oh non, ne me dites pas que ce sont eux. Je vous remercie de votre accueil. Salut. Oui. Ouais. Ce qui me plaît chez vous, c'est votre dignité en toutes circonstances. Ah bon? Ça s'appelle la lâcheté. Hein? Oui, monsieur. D'accord, vous avez raison. La beauté est un atout capital quand un jeune homme veut séduire une jeune fille et qu'il n'a rien d'autre. Le chef a parlé. C'est vrai que vous n'êtes pas trop mal, mais franchement, je trouve que c'est tout à fait insuffisant. Oh? Vous n'avez pas de caractère? Pas du tout. Et ça, est-ce que vous êtes capable de le faire? Et ça non plus, vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a que moi pour faire ça. C'est peut-être à cause de ça qu'on fait rire tout le monde. Oui, on fait rire tout le monde. Le grand secret, c'est de se sentir bien. Et si on fait rire les gens, eh bien tant mieux. Quand on n'est pas doué pour les études, on est sûrement doué pour autre chose. Les hommes sont tous différents. Et chacun a sa propre personnalité. Et le problème, c'est de savoir s'en accommoder. Comme nous.
À notre naissance, on a déjà un caractère bien particulier qu'il faut savoir exploiter. Si vous voulez vous sentir bien dans votre peau, aimez-vous comme vous êtes. Vous auriez mieux d'écouter. Merci, Laura. Notre grand secret, c'est d'arranger les choses pour qu'elles nous aillent bien. Si on se moque de nous, c'est parce qu'on n'est pas beau. On rigole aussi, comme ça tout le monde est content. Décidément, ces joyeux loufoques, ils me plaisent beaucoup. Oh oui, c'est vrai. Soyez sérieuse, Laura. Vous n'allez pas vous laisser impressionner par toutes ces balivernes. Allez, venez avec nous. Non ! Vous allez venir avec nous, vous m'entendez ? Hé, descends ! Mais qu'est-ce qui se passe ici encore ? Attention, je vais m'énerver. Pouvoir se montrer. À l'autre. Hé, chef. Est-ce que ça va, Laura? Je crois que c'est le moment que tu m'expliques comment tu fais pour toujours te sentir bien dans ta peau. Ah oui? Let's go.